J'ai joué avec une Irelia, qui était mécaniquement un des meilleurs joueurs que j'ai jamais vu de ma vie. Je vais vous montrer ce qu'il a fait en game, parce qu'avec nous, il a été toxique, il a insulté notre jungler, qui aurait pu rush quitter la game, et il ne l'a pas fait, il avait un bon mental notre jungler. Donc est-ce que c'est juste parce qu'il est toxique? On va aller voir ça. Après, c'est difficile d'être irréprochable sur League of Legends. Et dans cette game, le Tryndamer, on me l'a dit, c'est un streamer, c'est Foghead. Ce joueur-là, c'est Foghead, qui jouait, qui est un main Tryndamer très connu, qui est dans pas mal de best-of. Donc voici la Irelia qui m'a super impressionné niveau mécanique. Ah mais il a pas le temps en fait. Mais il avait 100% de points de vie. Ok, il vient de prendre First Blood. Il vient de faire perdre à Victor entre 4 et 5 minions. Et elle vient d'avoir 100 gold de plus. C'est ultra rentable. Surtout que Victor, ça snowball pas sur une Irelia. Et l'inverse, clairement que oui. Attends. Je vais finir par jouer Irelia là, les gens, hein. Donc, P. Alors attendez. Là je comprends pas, il a deux stacks de son passif. Il va Q le minion. Ok, c'est pas grave, il y avait le truc. Il Q le minion ou pas? Ah, le W donne la cinquième stack. Il reset vite fait l'auto de la tour. Pour pas se prendre le quatrième shot. Non, ça aurait rien changé. Oh, la game du Victor. Trop dur à jouer pour moi. Bah, je pense que le mec, il a 1000 games de Irelia, je pense, minimum. Hein. Mais il a pris 2 kills. On est même pas à 3 minutes 30. Oh, le cauchemar. Je suis contre lui à la mid lane. Je désinstalle le jeu, je pense. Hein. Parce qu'en fait, le Tryndamer de l'équipe bleue est un streamer. Donc j'ai vu vite fait ce qu'il avait dit. Et le Victor, apparemment, il est en mode... Elle arrête pas de push, viens putain de ta mère. Attends mais il agresse encore là. Okosub. Il peut pas jouer. Il est sous sa tour. Elle est même pas 6. Il peut pas jouer. Elle dive level 2. La pression de barge. Il peut pas jouer. Parce que même s'il met un W, elle va dash partout en fait. J'ai trop envie de jouer Irelia, ça a l'air débile. Mais après, le mec, il est pixel, hein. Tu vois que ça se joue, il rate un sort. C'est turbo malaisant comment il pourrait se faire juste mourir sous sa tour, hein. Et tu te prends un point d'interrogation de Victor. Hein. Oh, l'agressivité du joueur, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je pensais que j'étais un joueur agressif, mais là, non, en fait. Zéro ward, la Irelia. Elle a zéro score de vision, elle a ses deux wards, rien à foutre. J'arrive sur la lane. Je set up. Mais c'est obvious. Je set up mes trucs et je te dive en fait level 2. Elle la dive level 2. Et je comprends que les gens jouent des trucs comme ça en fait. C'est trop drôle en fait. Tu peux te battre quand tu veux. Oh, les dégâts qu'elle a déjà. Des minions mêlés, deux autos, un Q, c'est fini. RIP. Et c'est à ce moment là, c'est à ce moment que là, le Victor lui a dit, tu vois, elle joue trop agressif, tu es là, on la tue. C'est à ce moment là, vous pourrez retrouver la vidéo sur le stream de lui, c'est Foghead FTW, un truc comme ça là. C'est un bon Tryndamer en NA. C'est super intéressant, c'est incroyable. Genre, je suis désolé hein, pour moi le gars, mécaniquement, il est challenger. Mais j'avoue, ce mec joue orc guerrier sur World of Warcraft en fait. Il joue chasseur sur Hearthstone. Et il fait que des passifs et il fait que d'attaquer. Il n'y a aucune stratégie. La seule stratégie qu'il a, c'est comment il va défoncer le mec en pur 1v1 en fait. Ah ouais, le E il reste longtemps. Oh, il prend une stack, 160 gold, boum. 26 d'avance. Au niveau des gold, on est à combien?
3200 contre 2600. 800 gold d'avance. Petit spectre vampirique. En fait, vous savez que des fois, quand elle appuie sur S, elle bouge pas. Elle Q sur un minion. Le Victor, il est comme ça. Il balance son E, il a trop peur. Ça fait trop peur. Je sais pas si vous avez vu, il a sursauté le Victor. Genre là, regardez, regardez, regardez comme il a sursauté le Victor. Là, tu vois, elle bouge pas. Thank you. Ah putain. Je suis sûr que Irel, il a sursauté de ouf. Oh non. First item, Tabi Ninja. Ouah, c'est dur. Tu prends Tabi Ninja first item Victor, tu sais que tu te fais déchirer la gueule. Le W qui sert à rien. Oh, l'ultime, non. Oh. Oh non, c'est... Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Hein. Je rappelle, on est MMR D2 là. Et il est D4 et... Mais pourquoi il joue autant agressif? Eh, c'est un malade. Ah, mais c'est un taré en fait. En gros, c'est un mec que j'ai rencontré dans ma gamme. Moi, je suis la luxe là. Oh, j'ai l'air tellement nul avec ma luxe. C'est trop drôle, genre. Et en gros, on a rencontré la Irelia. Et en fait, moi, je l'ai vu jouer genre 4 secondes dans un move. Et j'étais en mode. Ok, ce mec est un dieu du skill. Genre, mécaniquement, ce mec est trop fort. Et après, je regarde, il est D4. 0 LP, 50% minerate, hard stuck. Et je suis en mode, comment c'est possible, ce mec joue trop bien pourtant. Mécaniquement il est trop fort et du coup je suis en train de regarder pourquoi il perd. Mais là clairement, il est très bon mécaniquement. Mais en effet, il voit rouge en fait. Genre il voit un ennemi, il veut juste le détruire. Genre niveau 2, il a dive, Victor. C'était bien joué mais regarde, il a pas le time. Il a pas le time. Il trouve une ouverture où il a 10% de chance de tuer, il va la prendre. Il va la prendre. Il a pas le temps. Ça donne trop envie de jouer Irelia, putain. Non, mais... Je vous le dis, hein, il touchait. C'était go in. Ah ouais, il fait... Il n'est pas complètement non plus full face, orc, smork, je sais pas quoi. Il y va des fois en... Tu vois, il fait des fakes et tout, donc c'est pas mal. Je pense qu'il va mourir là par contre. Bon, par contre, il se prend un gank, il meurt tout le temps. Hein. Il y a eu 2 ganks, 2 morts. Je rappelle, il a 0 score de vision. Hein. Wow, niveau stratégie macro. En fait, macro il est F, micro il est S. C'est trop débile. Vision il est F. C'est le premier joueur que je vois. S, F, F. Mais j'avoue que mécaniquement. Bah c'est peut-être une des meilleures Irelia du serveur. Mais la vache, il lui faut le cerveau quoi. Non mais oh, putain, tu vas trop vite là. Oh. Ah ouais. Elle a tanké la wave. Oh putain, j'avais pas compris. Oh le bâtard. Ok, non en fait, le niveau gestion de wave finalement c'était intéressant. Mais c'est parce qu'il set up sa mécanique en fait. Il a tanké la wave pour que les distances soient à portée du QQ en fait. Même la tour il est pas safe en fait. Ouais c'est ça, il veut dive. En fait en faisant ce setup là, même sous tour, t'es pas safe. Ah ouais, non en fait c'est bien. Non en fait c'est cool. Ouais ouais, il veut juste dive en fait. Il va faire QQ, boum. Et là il engage. Il se fait pas stun. Elle a encore un Q. Ouais. Il a vu que les minions n'avaient pas pris l'aggro. Parce qu'il manquait vraiment que des trucs de minions. Oh, c'est le mec, mais il veut juste... Il veut juste faire du 1 pour 1. Après, faire du 1 pour 1 contre un Victor, encore une fois, Osef. Ah, et vous allez voir là le... La fameuse Miss Fortune qui reste en side. Alors qu'elle voit la bot lane à la mid lane. Hop, et il n'y a plus de Miss Fortune. Oh les dégâts du Q. Et elle a augmenté quoi? Q, E. Bah c'est fini. Là vous avez rien vu hein. Vous avez rien vu hein. Y a un move qu'elle a fait à un moment donné. On était en mode on avait la bouche ouverte pendant 5 secondes hein. Ah, j'essaie de le ralentir pour qu'elle puisse Q. Très bien joué de ma part.
le petit cul ici. Et là j'avoue, là en fait elle était en train de s'énerver contre le Nocturne. Parce qu'en fait on avait un Nocturne Master dans une game MMR D3-D2. Et là le Nocturne, vous avez vu son ultime comme il était à chier. Il a KS la Irelia. Et là la Irelia commence à être tilt. Ça me fait trop bizarre de spect un joueur et de me voir jouer à côté, genre. Je suis trop ouh kawaii, genre. Tu la KS pas le Noct. Ah, est-ce que c'est ma faute? Non, sérieusement ou pas? Non, arrêtez. Mais comment j'ai KS? Hein? Mais... La comète? Ma comète a réussi à KS l'ultime de Nock et le Q de Irelia. Ça reste que le Nocturne a même pas touché du coup presque. C'est pas ma faute, ok? Premier assist de l'Irelia du coup. Ah oui, non mais ça il faut qu'on revoie ça. Genre... Ça m'a surpris. Là ce qu'elle vient de faire c'est un jumpscare en fait. Genre là, elle est clic droit, elle bouge pas, et d'un coup... Vitesse normale, hein. On est en vitesse normale. Hein. Regardez ce qu'elle fait. Vitesse normale. Hein. Alors après, il faut qu'on regarde quelque chose. Regardez la grosse merde que je suis. Regardez la grosse merde que je suis, hein. La tour a 49 points de vie. Donc moi je vais aider la Irelia. Sauf qu'on a plus de minions. Moi je voulais faire juste un petit W sur la Irelia. Là je m'aperçois qu'il y a une putain de tour. Je fais bah merde. 7 PV la tour, je meurs. La Irelia avait encore un Q. Elle aurait pu tuer la MF. Vous avez vu comment j'ai bugué? En fait j'étais 100% sûr que la tour était plus là en fait. Et j'étais en mode merde, elle est encore là en fait. Mais comment ce joueur stock des cartes en fait. Mécaniquement il est vraiment trop fort. Est-ce qu'il est vraiment autant bourrin tout le temps? Mais vous imaginez pas, mais quand ce joueur aura le déclic de jouer moins agressif et plus intelligemment, ce mec passe tchal. Je vais mettre la vision comme ça. Oh! Oh! What, les dégâts? Il a 250 points de vie, hein. Au niveau de des runes, en passant, je vous ai pas montré. Donc, il joue Conqueror, Triomphe. C'est très étonnant qu'il joue Triomphe. LOL MDR. La Caitlyn aussi était énervée, hein. Soulved. La Irelia, comment elle joue? J'ai l'impression qu'elle fait du test limite. Le test limite, quand tu apprends un champion, c'est trop important. Tu regardes jusqu'où tu peux aller et tu grides énormément. Tu fais souvent des 0-12 pendant des dizaines de games. Et il y a un moment où naturellement, bah... T'as le Muscle Memories qui normalement te dit genre, où t'as juste naturellement, t'as ton cerveau qui va te dire là tu peux pas y aller, ou attention ici, y'a un gang qui va arriver. Là j'ai l'impression que elle a un sens qui ne marche pas, genre. Y'a juste attaque. Elle a pas de Q. Elle a un Q. Oh, les dégâts qu'elle a mis sur Karma. Est-ce que là elle avait pas beaucoup de points de vie quand même? Comment elle savait qu'elle pouvait y aller là?
Là, je lui ping en mode calme-toi, bro. Genre là, il allait y aller là. Hein. Il ne voyait personne sur la carte. S'il pouvait Q la karma ou la MF, il y serait allé en fait. C'est un malade. Il est solo, hein. Contre 4 joueurs, voire 5. Il allait y aller. Il touche un E, il y va. Peut-être qu'il a une chaîne YouTube et qu'il veut faire des best-of en vrai, hein, j'en sais rien. Il fait une game comme ça, il a déjà un best-of pour lui tout seul en fait. Hein. Et t'as 10 minutes de best-of, je pense. Hein. C'est un malade. Voilà. On va se le remettre en vitesse réelle parce que là c'était au ralenti. C'est le move là que j'ai vu. Vitesse réelle les gens, vitesse réelle. Le mec joue à Ozu en fait, sur LOL. Il rate très peu de skill shot en plus, hein. Là je dis ça parce qu'il les a ratés, mais normalement il en rate très peu aussi. Hein. Ces E sont vraiment très bons. Hein. Oh, il la tue. Oh, j'avais oublié ce move, putain. Non, il est incroyable. Incroyable. Il finit en 19-9. Donc en fait, c'est pas sa toxicité qui lui fait perdre. Parce que oui, il a été toxique. Il a bien trash talk mon jungler. Mais j'avais pas vu. 4 de score de vision, 28 minutes de jeu. Il s'en bat les couilles. Il fait juste push. Et en fait, il ward jamais parce que il fait juste dive. Il y a le jungler qui arrive, il dive le mec en face. Il réfléchit pas. Il prend tous les fights. Donc s'il y a un jungler qui a un cerveau, il campe la lane avec Irelia, il attend qu'elle engage, kill. Il a 50% winrate, diamant 4, 0 LP, D3, D4, D3, D4, 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 D3, D4. Du coup, petite game de Irelia, allez c'est parti.